Voilà, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, Dorian Godon, pour la deuxième fois cette semaine, en cours de votre présence, vous demandez. Bienvenue, Dorian, je vous installer et saluer les abeilles qui va annoncer l'invité avec vous. À toi. Alors, Dorian Godon, bravo pour cette nouvelle victoire, cette deuxième après celle de Fribourg. Racontez-nous vos émotions. Et bah, je vais surtout vous. Très fort pour lever les bras, mais encore une super victoire collective. L'équipe m'a super bien emmené dans le dernier kilomètre avec Clément et mon petit poisson pilote Nicolas Prodon. Donc encore un super boulot de l'équipe. Je voulais être en 2-3e position au virage et après pas me poser de questions, lancer à 300 mètres parce que le virage était vraiment sinueux et la route pas hyper bonne. Donc je me suis pas retourné jusqu'à la ligne et j'ai vu à 50 mètres de la ligne que c'était bon et j'ai pu savourer. Et du coup, c'est un beau bilan pour vous et votre équipe. Ça annonce que du positif pour la suite de la saison. Oui, c'est clair. On fait 1 et 2 du coup du maillot du sprint avec Andrea. Il s'est bien battu toute la semaine. Et puis, 2 victoires d'étape, 4e place au prologue. Et hier, j'étais en échappé aussi avec Clément Berthet. J'ai fait la vallée à bloc pour lui. Pour qu'on prenne 2 minutes d'avance dans la vallée avant le deuxième IPM. Donc voilà, on a été vraiment présents tous les jours et voilà, j'ai pris quelques jours de repos pour savoir. Des questions pour la salle ? Oui. Je le prends volontiers. Dorian, bravo, trop fort, coup double. Merci Baudon. Chapeau. On va porter un tout petit peu d'humour maintenant. J'ai remarqué qu'il ne faut pas trop qu'on te touche parce que sinon ça t'énerve. Et donc après, comme un caméléon, tu vas les booster devant toi. Tu as fait un sprint de rage. Tu as renoncé, tu aurais pu tenir encore 300 mètres sans problème, à mon avis, parce que tu étais à fond en fond. Alors, tu avais un anti-patinage, le peu de pression, ça s'en fait la question. Et puis, tu as mis au chômage, malheureusement, le gars du foot finish. Ça passe en part. Ouais, ça, j'ai fait exprès, mais. Non, après, je me suis vraiment concentré sur la preuve du virage. Au final, ça allait super vite. Nico, il m'a super bien emmené. Je me suis concentré sur ma performance et puis je savais qu'il fallait lancer tout après le sprint, pas se poser de questions, enfin après le virage, mais pas se poser de questions et puis je me suis pas trop soucié des autres entre guillemets et fallait faire ce que je pouvais faire de mieux et voilà, pas soucier des autres. Mais après oui, j'aime bien les conditions sous la pluie, on a du super matos et pour la pression, il faut demander au mécano. Moi, j'y vais les yeux fermés, mais vers du 5-4, un truc comme ça à peu près, en sud-est. Autre question pour la salle ? Autre question pour Daniel. Non. Ils sont timides. Est-ce que ton avant-clair t'a téléphoné ? Parce que là, ce soir, il risque de devoir appeler. Tu l'as mis dans l'embarras. Non, toujours pas. J'ai pas de. Pour l'instant, je vais un peu débrancher du vélo pendant 4-5 jours et puis me reconcentrer sur les prochains objectifs. Mais la semaine prochaine, ouais, je vais juste profiter, pas forcément parler de vélo, un peu débrancher. Et voilà, juste, je suis très satisfait de mon début de saison, de l'équipe. Et voilà, après, c'est pas une fin en soi, je suis très content d'avoir gagné deux victoires, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors on va laisser Dorian retourner. Merci à tous. Merci beaucoup.